أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنة من أعناب وزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. مزيد من الأجر والثواب. Chers amis, chères sœurs, chers frères, je vous souhaite la bienvenue dans notre mosquée et nous sommes fiers aujourd'hui de faire cette première conférence d'islam et écologie. Il y aurait beaucoup à dire entre l'islam et l'écologie et je pense que tout au long de cette journée, vous allez entendre beaucoup de choses parce que beaucoup de gens ne savent pas que l'islam est une religion en écologie. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier écologiste. Car il a demandé de respecter la terre, de respecter les humains, de respecter tout ce qu'il y a sur notre terre. Et il y a un hadith de la mère des croyants, Ummuna Aisha, qui est un hadith très important pour nous, pour justement qui symbolise ce mois du Ramadan. C'est qu'elle disait « Yamirru al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal, wa lan tuqda narun fi bayt rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. » Il passait la première lune, et la deuxième lune, et la troisième lune, c'est-à-dire trois mois d'affilée, et il n'y avait pas un feu d'allumé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui fut demandé « Mais quelle est cette tradition ?» Elle m'a dit, il n'y a pas de tradition, il n'y avait rien à faire cuire. Il mangeait un peu d'eau et un peu de dattes, tout simplement, pendant trois mois.
Ce n'était pas une tradition, c'est que le prophète était humble. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait proposé qu'il pouvait lui remplir la place de la Mecque en or et en argent. Et il a refusé. L'importance de l'écologie en islam, vous allez le découvrir au long de la journée, est primordiale. Et nous, on est fiers, et on vous souhaite à tous la bienvenue. On est fiers de vous accueillir aujourd'hui chez nous. Hafez m'en a fait la demande et alhamdoulilah, on a répondu favorablement parce qu'on est très très intéressés et très concernés par ce genre d'initiative. Et je pense que tout au long de la journée, vous allez voir des choses qui sont importantes et qui sont super intéressantes. Et donc moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est bonne conférence et bienvenue et faites comme chez vous. Cette mosquée, c'est la vôtre. Barakallahu fikum. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps et je suis très heureux de vous avoir parmi nous. Bonne journée à vous. Bonjour, assalamu alaikum. Donc moi je suis l'administrateur de la page Facebook Permaculteurs Musulmans. Je fais partie des co-organisateurs de la journée. Et donc je vais vous rappeler le programme. Donc on a un peu de retard, il faudra nous excuser. Le frère à côté de moi, Fethullah, qui va présenter le rapport à la terre dans le Coran. Donc le rapport à la terre dans le Coran. Ensuite, je vais faire une présentation sur l'écologie et la permaculture. Ensuite, il y aura le rôle des mosquées et des imams dans la sensibilisation à une consommation saine et responsable. Ensuite, il y aura une pause. Entre-temps, il y aura souvent des échanges entre chaque intervention. Ensuite, à 12h30, la création un signe divin par Yamin Makri. Encore des échanges. Et à partir de 12h45, présentation de projets d'alternatives écologiques. Donc ceux qui ont des projets et ceux qui sont intéressés par tout ce mouvement écologique qui combine à l'islam, donc vous êtes invités à rester le plus possible. Ensuite, on va faire des ateliers pour ceux qui portent des projets, des ateliers d'entraide et de mise en relation entre les personnes qui ont des projets et qui ont des conseils ou des difficultés. Et ensuite, on restituera le déroulement des ateliers pour discuter de tous ces sujets. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala même si on ne fait jamais assez mais on a un matin assez frais de Ramadan. On est à proximité d'une grande surface où les gens s'affairent et Alhamdoulilah, Allah SWT a voulu qu'on se retrouve nous ici à essayer de partager un moment autour d'une question qui est assez importante et que malheureusement on néglige beaucoup, qui concerne le rapport à la terre et le rapport à la création. Je vais essayer en fait de, parce que c'est l'objectif qu'on m'a demandé d'atteindre, on n'atteint jamais vraiment ce type d'objectif, parce que quand on est dans ce genre de sujet, on est dans l'approche du Coran, l'éventail et l'étendue plutôt des connaissances qui sont présentes dans le Coran est tellement vaste qu'on ne fait que... On n'entend pas. D'accord. Là, c'est mieux ? Non ? Si, c'est bon. L'étendue et l'éventail des connaissances qui sont présentes dans le Coran, c'est quelque chose que... On ne peut jamais être complètement encerclé et maîtrisé. On va essayer de toucher du doigt un certain nombre de connaissances. Et ce que je vous propose, en fait, c'est ces trois temps, si j'ai le temps.
ceux qui savent comment j'interviens en général, j'ai un gros problème dans ma gestion du temps dans mes interventions, donc on me racine si je dois m'arrêter. Donc en trois temps, je vais commencer par m'arrêter, on ne va pas faire un commentaire complet, mais juste m'arrêter sur le passage qu'a lu le frère tout à l'heure sur les versets de Surat al-An'am, qui démarre au verset 95. Simplement traverser rapidement ces versets-là, parce qu'ils donnent un sens général, finalement, à l'approche qu'on a de la création. Ensuite, dans la deuxième partie, j'essaierai de revenir un peu plus sur une approche thématique du rapport à la création dans le Coran, voir comment Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à avoir un certain comportement avec la création, et notamment avec la Terre en particulier, puisque c'est l'objet de mon intervention, et Amine interviendra de manière plus générale sur le rapport à la création. Et je finirai par un exemple très concret dans Surat al-Kahf, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne. Ça fait beaucoup de choses. Donc, on va essayer de survoler un peu tout ça, mais en tirer un maximum d'enseignements. Déjà, je vais commencer par les versets où Allah nous parle donc de ce rapport à la création. Il nous dit Inna Allah faliqul isbah. Inna Allah faliqul habbi wal nawa. Allah, dans cette série de versets, il nous parle de. Il mentionne une chose, il dit qu'il est. Il faliqul. C'est le fait de fendre et de scinder les choses en deux. Et en fait, dès le départ, on se rend compte qu'il va y avoir une chose qui est fondamentale dans le rapport à la création et qui va revenir d'ailleurs dans ce verset-là. Parce qu'en ce moment-là, parle de la graine qui est fendue et puis ensuite il va parler de l'isbah, c'est-à-dire que le matin, le lever du soleil en fait. Et on sait que l'être humain est décrié sur une fissure aussi. Il nous dit Fitarat al-Bahr al-Latif, Fatarat al-Nasa alayha. Nous a créé sur une fissure. Il a créé une fissure dans le monde de l'invisible par laquelle il a créé ce monde visible. Et en fait, on se rend compte que le rapport à la création se réalise à travers ce genre de fissure. Le jour qui se lève, on attend d'ailleurs chaque matin, maintenant l'aube, même si on n'attend plus, on attend que notre réveil sonne malheureusement. On ne va plus observer le lever du soleil, comme on ne va plus observer la lune pour le début du ramadan. Maintenant, on a posé un peu des calculs et un peu de partout dans nos vies, mais. Malgré tout, il y a ce genre d'approche dans le Coran qui est très importante et qui revient régulièrement. Alors ce matin, il nous parle de cette graine qui se fend. Comme pour nous dire qu'en fait, finalement, il y a quelque chose déjà de commun avec l'être humain dans la création. Et comme pour nous dire que finalement, il y a un choix. Parce que quand on parle de fissure et de rupture en deux, l'être humain, il a un choix à faire dans sa vie, en fait. Cette fitra, c'est soit il la prend et il y retourne, soit il la délaisse et puis il s'en est là. En fait, finalement, on peut résumer les choix de nos vies à ça. On peut faire plein de. On peut parler de nos diplômes, de nos entreprises, de nos projets familiaux, de tout ce qu'on veut, mais en réalité, ça se résume au bout du bout, hein, finalement, à ça. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous relie à ça, et ce à quoi, en fait, ce sur quoi je voulais pointer mon attention, en fait, c'est les fins des versets, dans toute cette série de versets. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Fa'anna tu'fakun. Alors, ce matin, il nous dit, dans ce premier verset, alors qu'il nous parle du rapport à la création et de cette fissure de la graine, et il nous ramène à finalement l'importance de la création, il nous dit, pourquoi est-ce que vous ne voyagez pas? Et en fait, fakun, dans la langue arabe, afaka, c'est aussi bien voyager que le fait de tanner une peau pour l'assouplir. Autrement dit, Dieu nous dit, en restant enfermé dans votre quotidien, vous êtes en train de durcir ce que vous avez en vous et vous n'avez plus la perception du fait qu'il y a des choix, qu'il y a quelque chose qui vous amène vers le monde de l'invisible avec cette souplesse et cette douceur, ou alors vers ce monde beaucoup plus dur. Et il nous appelle à voyager, à sortir de notre quotidien, à arrêter de nous enfermer dans notre routine. فَأَنَّا تُفَكُونَ. Ensuite, en ce matin, donc, فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَسَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Et il nous rappelle en fait finalement que tout ça, ça ne se réalise que par la maîtrise d'en ce matin, qui est lui le Tout-Puissant. Et ça, c'est une chose qui est importante, c'est que dès le départ, alors qu'il nous appelle à voyager, qu'il nous appelle à découvrir ce monde, qu'il nous appelle à l'observer, qu'il nous appelle à être attentif, il nous rappelle que tout ça est censé nous rappeler qu'il y a un Créateur au-dessus de toute chose. Parce qu'on a une approche aujourd'hui de l'écologie, je vais y arriver après, où malheureusement, très souvent, on approche l'écologie
Je donne souvent cet exemple. En fait, finalement, on a dans le capitalisme aujourd'hui quelque chose qui est atroce parce qu'on pense qu'on peut maîtriser la création. Au-delà de toute chose, c'est qu'on pense qu'on peut maîtriser les êtres humains, qu'on pense qu'on peut maîtriser la création. Et on a un rapport à la création, aux êtres humains, où c'est devenu de simples objets. Les animaux, c'est des objets, c'est une marchandise. Tout se valorise en chiffres et en argent. Sauf que dans l'approche de l'écologie, on peut tomber dans le piège inverse. Il y a une certaine approche de l'écologie qui consiste à vouloir sauver la planète. J'en parlerai tout à l'heure, mais ce qu'il y a d'important, c'est que Laurence Mattana nous dit non, c'est lui qui maîtrise la planète. Le rapport que vous avez à la création est un rapport qui va vous éveiller, vous, qui va réveiller votre lumière intérieure. C'est un signe qui vous parle, parce que la création fonctionne un peu comme vous. Et ensuite, Laurence Mattana nous amène « Walladhi ja'ala lakum al-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahr ». Et donc, Laurence Mattana, là, il nous parle des moyens qu'il nous donne justement pour nous extirper de notre quotidien, de notre routine. Il a mis les étoiles pour que vous puissiez vous guider sur Terre, pour que vous puissiez voyager. Et à ce moment-là, il va nous amener finalement à une fin de verset où il nous dit « Qad fassalna al-ayata liqawmin yafqahoun » dans le verset suivant. Je passe un peu rapidement, il y aurait d'autres éléments à mentionner dans ces deux versets, mais en gros, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Laurence Mattana ? Il nous décrit cette création. Il nous dit que c'est un lieu de repos, Mustafa Mustauda. C'est en même temps un lieu de repos et un lieu de vie, c'est un lieu dans lequel on est responsable. Et quand il nous dit « on a étendu les signes pour des gens qui yafqahoun » comme il disait Shafi'i, la prononciation même des mots dans la langue arabe induit leur signification. Et il dit, pour ceux qui ont fait un peu de makhraj al-huruf dans Tajwid, « fa qa ha » La prononciation de ces trois lettres, elle part de l'extérieur vers l'intérieur. Et il dit la compréhension, parce qu'il y a plusieurs termes pour dire comprendre en langue arabe. Il y a fahama, il y a faqaha, il y a yaqin aussi qui est une forme de compréhension. Il y a zakara qui est une forme de compréhension, etc. Et alors, ce matin, il nous dit faqaha, c'est le fait de savoir lire les choses à l'extérieur et de les ramener à soi à l'intérieur. Que ça ait une signification pour soi, intime. Et c'est d'ailleurs l'un des processus du cheminement spirituel que mille de défis Mohamed Iqbal et d'autres savants, Razali. C'est savoir être attentif à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans nos vies pour le ramener à sa réalité intérieure. Mais le ramener à sa réalité intérieure, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Mustaqarrun wa Mustawda. Mustawda, c'est que vous en êtes responsable pour avoir un comportement responsable, pour détecter et trouver les ingrédients qui vont nous permettre d'assumer notre responsabilité dans ce monde-là. Donc il nous enseigne un certain rapport à la création qui, en ce matin, est en train de nous dire dans la création, vous avez les ingrédients qui vont vous permettre de lire le monde et qui vont surtout vous permettre de lire vous-même, qui vont vous permettre de comprendre quel est votre rôle sur Terre, quelle est votre mission à accomplir. Vous savez, c'est pas pour rien, subhanallah, c'est quelque chose que j'ai hésité à l'aborder aujourd'hui, mais ça aurait fait beaucoup trop de choses. Déjà que je vais survoler un peu tout dans la journée, mais pas dans mon intervention, mais il y a une thématique qui est très importante dans le Coran, c'est la thématique des arbres. Si vous vous rendez compte, en fait, les arbres, Allah subhanahu wa ta'ala, déjà le paradis, Adam a commis un péché en consommant du fruit d'un arbre, donc notre histoire commence, on va dire, un peu avec ça. Mais après, tout au long de l'histoire, Moussa, alayhi salam, des histoires des prophètes, plutôt, excusez-moi, ils vont à chaque fois se retrouver face à des arbres. Moussa, alayhi salam, quand il va parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va ? Il va vers un arbre qui va se jaillir de feu. Younous, quand il est sauvé de la baleine et qu'il ressort sur l'île, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala fait pousser un arbre près de lui. Maryam, quand elle est isolée, Allah subhanahu wa ta'ala amène un arbre avec un dattier. À chaque fois, prenez n'importe quelle histoire, vous verrez qu'à chaque fois, un repère fondamental, ça va être la place des arbres. Et malheureusement, on vit dans une société qui est très bétonnée, où ce rapport à la création, finalement, il est perdu. Alors, vous allez me dire, mais Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il parle des arbres parce qu'il s'adressait en premier à des gens du désert qui connaissaient la valeur des arbres et finalement, et puis ça leur parlait à ce moment-là. Mais en réalité, cette révélation s'adresse à la création entière et j'allais dire que peut-être qu'on comprend encore mieux finalement la valeur d'un arbre dans notre époque, quand beaucoup de parents ont des enfants qui sont allergiques parce que finalement, le fonctionnement végétal aujourd'hui, à l'époque où on vit, ben, il est complètement décousu. On a tous finalement des problèmes de santé liés à ça. Donc on a des vecteurs qui nous amènent à comprendre que finalement, ce rapport à la création et à la végétation, même déjà tout simplement, il est très altéré à notre époque. On vit dans une société qui nous a coupé du rapport à la création. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ce rapport à la création, il est l'un des moyens déjà de se comprendre.
Et en fait, plus que le moyen de se comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ » Il décrit un certain nombre de fruits et de légumes qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pousser. Il nous dit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à partir de l'eau, et l'eau dans la symbolique coranique, d'ailleurs vous retrouvez ça dans la symbolique des rêves aussi, représente la foi, représente quelque chose qui est saint. Et c'est comme si l'eau, quand elle descend sur terre, et la terre est la symbolique de l'être humain, très souvent, encore, parce qu'on a été créé à partir de terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il fait vivre différentes formes de fruits. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il fait vivre des êtres humains de différentes typologies, que ce soit dans nos couleurs, que ce soit dans nos caractères, que ce soit dans nos apparences, que ce soit dans toutes les caractéristiques qu'on pourrait énumérer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il y a une diversité. Et la préservation de cette diversité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, « Inna fi dhalikum la'ayatin liqawmin yu'minun » Il nous dit, en réalité, dans toute cette « Inna fi dhalikum », c'est dans l'étendue, en fait, de ces signes-là. Dans cette diversité-là, il y a des signes pour ceux qui veulent porter la lumière de Dieu. Autrement dit, il nous dit, se comprendre soi-même, c'est bien. Mais l'objectif derrière, c'est quoi? C'est de porter la responsabilité de la foi. C'est de porter la lumière de Dieu. Comme il dit, en fait, dans le bouton, il traduit le fait, Aman, le fait, Iman, plutôt, excusez-moi, le Mouminon. Mouminon, il dit, ce sont ceux qui se sécurisent par la lumière de Dieu, qui sécurisent la lumière de Dieu, ou qui portent la foi. Et en fait, on a, dans cette idée-là, en fait, un élément qui va être important, c'est que pour porter cette foi-là, et se sécuriser par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut préserver la diversité. Malheureusement, on vit une époque où, finalement, la préservation de la diversité a complètement disparu de la société. On vit dans des standards. D'ailleurs, on a des organisations qui sont là pour définir des standards. On a la FNOR en France, et on en a dans tous nos pays. On veut tout normaliser. Alors, la norme a sa place en islam. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de norme et qu'il n'y a pas de règle. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, La norme pour nous, c'est le Coran, c'est la parole de Dieu, qui nous apprend justement la diversité. Alors qu'à notre époque, finalement, ben, on doit tous se vêtir un peu de la même manière, on doit tous se comporter de la même manière, on doit tous avoir les mêmes cursus de professionnel, je veux dire, la réussite, bah, c'est forcément avoir un diplôme et avoir un salaire, et puis c'est forcément être marié avec deux enfants. Trois, ça commence à être un peu sorti de la norme. C'est-à-dire que finalement, il y a des standards qui sont installés, et on ne s'en rend même pas compte. Alors que l'Esprit Intérieur nous dit, ce qui va vous permettre de porter la lumière dans l'Esprit Intérieur, c'est la diversité. C'est le fait que l'Esprit Intérieur, elle a voulu même dans la religion et dans la foi. Il a fait que même dans la religion et dans la foi, bah, il y avait des gens qui ne vont pas avoir foi en Dieu. Alors qu'il aurait pu très bien faire en sorte que sur cette terre, il n'y ait que des gens qui aient foi en Dieu. Il a même fait en sorte qu'il y ait des traditions dites monothéistes, alors qu'on sait qu'il y a des altérations à ce monothéisme-là, bah, qui existent, ouais, et qui sont différentes, et qui ont une approche différente. C'est voulu par Dieu. Il sait qu'il y a un bien là-dedans. Parce que c'est le moyen de porter cette lumière. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est un. C'est le meilleur moyen de se rappeler qu'il n'y a qu'un qui est un et qui se suffit à lui-même. Et que si tu veux porter la lumière de Dieu, eh bien, il faut que tu sois conscient que tu dépends des autres. Et que tu dépends des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur ta route, qui sont différents de toi. Je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout des versets, parce que le passage était un peu long, mais l'essentiel de ces versets, c'était que je voulais transmettre, et là-dedans. Et je vais venir maintenant un peu plus sur le rapport à la terre, de manière l'approche de la thématique de manière plus générale. En reprenant déjà un certain nombre de choses que j'ai pu évoquer. La première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle une chose qui est très importante, c'est que, et je l'ai dit tout à l'heure, on vient tous de la terre. Et le fait qu'on vienne tous de la terre, c'est un enseignement important. Il vous a fait naître de la terre. On a beaucoup de versets qui font référence au fait que ben, on vient de terre, on a été créé de terre. Et ça, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en ligne de compte. J'ai dit tout à l'heure que finalement la Terre fonctionnait un peu comme nous. Mais entendre ça sans prendre le temps de méditer le sens des versets, c'est quelque chose qui peut à un moment donné être même préjudiciable pour nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend des exemples dans le Coran où il nous ramène vers la Terre. Je donne un exemple simple, il y en a plein d'autres. Hein.
ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et vos cœurs, il parle de Banu Israël à l'époque de l'histoire de la vache quand ils ont polémiqué avec Moussa. Et il nous dit, ben, cette polémique-là, le fait de ne pas être attentif, le fait de ne pas voir dans cette épreuve qui leur était offerte à ce moment-là, la possibilité de faire un travail sur soi, et le fait d'être constamment dans le fait de rechercher une raison scientifique à ce qu'on leur demande de faire. D'ailleurs, le verset justement, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « La ayatil li qawmin ya'qilun » C'est-à-dire que si vraiment vous raisonniez, vous auriez compris que vous êtes arrivé à vos limites. Parce que c'est pas en prenant un morceau de vache, en tapant sur une personne qu'elle va ressusciter. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait. Et si réellement vous allez au bout de la raison, vous auriez compris que l'objectif, c'était pas ça. Que l'objectif, c'était vous amener justement à l'intelligence du cœur. Et vos cœurs ont durci. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en fait, la terre, on vient de la terre, pour nous rappeler que finalement, on a un fonctionnement proche de la Terre. Et dans le fonctionnement de la Terre, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui peuvent parfois l'altérer. Quand il y a trop d'eau, quand il n'y en a pas assez. Quand il y a trop de froid ou quand il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que les excès, de manière générale, sont toujours néfastes pour l'être humain. Hein, c'est ses compagnons qui faisaient rien tous les jours, qui jeûnaient tous les jours, etc. Les excès sont mauvais. L'excès de Gilel dans cette situation-là et de polémique a été mauvais pour eux aussi. Quand on ne recherche pas l'équilibre, on se perd. Le deuxième enseignement qui est important quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on vient de la terre, c'est quand on prend le premier verset révélé. Allah subhanahu wa ta'ala dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min 'alaq. Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène et nous dit vous avez été créé de rien, d'une goutte de sperme. Il nous rappelle la création et puis il nous dit vous en tant qu'être humain, Dieu il a créé, enfin, pas de l'être humain au départ. Et il nous dit vous avez été créé de rien. Et dans la surat qui est juste avant, dans la surat At-Tin, il dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ الْجَقْوِينَ. Deux surats qui se suivent, et dans les deux surats, en ce moment, il dit soyez humbles, restez bien à votre place. Comme la création et la terre, en fait, finalement, elle est très limitée. La terre, elle ne peut pas... Elle n'a pas de raison, elle n'a pas d'intelligence particulière, etc. Elle reste très limitée. Elle peut semer le désordre, elle peut. Et en même temps, c'est une création extraordinaire. Avec un peu d'eau, ce qu'elle est capable de réaliser. Et parfois, même sans l'intervention humaine, elle sort des fruits, elle sort des végétaux, elle sort des animaux même par monde. Elle a un fonctionnement minutieux. La même manière pour la création que pour nous. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, vous êtes une création extraordinaire, mais vous êtes une création extraordinaire quand vous êtes humble. Quand vous savez revenir à votre juste mesure, quand vous ne vous mettez pas, vous, au centre de la terre, que vous ne mettez pas l'être humain au centre de toute chose. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, on a dans le Coran qui est importante, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on vit sur terre. Et finalement, c'est notre lieu de vie. C'est-à-dire plus que simplement venir de la terre, on aurait pu être créé de terre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait mis sur une autre planète. Il y en a tellement des planètes, pourquoi ne pas mettre sur une autre planète? Ou pourquoi ne pas nous avoir créés à partir d'une autre? Non, de là où on a été créé, on va rester vivre. Comme pour nous apprendre le lien, et sans l'entretien de ce lien de filiation, de là où on a été créé, on maintient toujours le lien avec ce dont on a été créé. On ne peut pas y échapper. La filiation, on ne la casse jamais. Et plus que ça, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que « الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. » On vit sur terre, certes, dans le verset que j'évoquais dans le commentaire que je faisais au départ, mais plus que simplement vivre sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Vous nourrissez à partir de la terre. » Vous dépendez d'une certaine manière de la terre, comme on dépend un peu de nos parents aussi quand on a été créé. Ça, cette terre-là, finalement, nous apprend un fonctionnement dans les rapports sociaux et dans les rapports humains. Et dans ce fonctionnement-là, il nous dit qu'elle est en même temps un lieu de séjour et un lieu de sécurité, et c'est même une source de joie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Man ja'ala al-ard qarara » en langue arabe,
c'est une source de bonheur, c'est un point de fixation, c'est quelque chose qui nous réjouit. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قرة أعين c'est cette idée de donne-nous dans nos enfants et dans nos épouses et dans nos enfants قرة أعين quelque chose qui est un point de fixation qui va nous rendre heureux et fait en sorte qu'on soit des gens qui permettent de guider المتقين ces gens qui ont la conscience vigilante. C'est-à-dire que Allah nous dit, en fait, à travers ce vocabulaire-là, qui revient pour la création, et qui vient dans le rapport à nos familles, je faisais le rapport tout à l'heure à ça, c'est que finalement, dans le fonctionnement des liens humains, ce fonctionnement tribal qu'entretenait le prophète, c'est le repère dont a besoin tout être humain. Cette société de l'individualisme qui casse tout, elle est en train de nous détruire. On doit vivre dans le lien. Et on doit vivre dans le lien, pourquoi, si je fais référence à la Dora, pour porter... Parce que c'est ensemble qu'on va porter. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Celui qui a compris qu'il a besoin de cette source de bonheur, de sa famille, de sa tribu, de ce lien de filiation qui va le réjouir, qui va... Parce qu'on a besoin de bonheur et de joie en tant qu'être humain. Ben, il sait que c'est le moyen d'aller porter la lumière dans ce monde-là. Que c'est le moyen de porter la conscience vigilante dans ce monde-là où on nous pousse à l'insouciance. Parce que l'individualisme ne fait que nous pousser vers l'insouciance. Tout ce qui casse les liens nous pousse vers l'insouciance. On a un deuxième grand enseignement important dans le rapport à la création et on voit encore une fois que dans la société dans laquelle on vit, on est très loin finalement de ce fonctionnement-là. Mais plus que ça, dans ce matin, il nous dit, vous vivez sur Terre, mais cette Terre-là, je vais vous donner des moyens qui vont vous permettre de vraiment comprendre le sens de votre vie. Et constamment dans la création, dans la révélation, dans ce matin-là, il nous amène par un certain vocabulaire à un certain rapport à la création. Quand il nous dit, par exemple, وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ jusqu'à la fin du verset. Et donne-leur l'exemple de la vie sur terre comme une eau que l'on fait descendre. Vous vous rappelez la symbolique de l'eau que j'évoquais tout à l'heure, qui fait pousser les végétaux. Alors ce matin, il nous dit, donne-leur l'exemple. On donne un exemple à quelqu'un, pourquoi ? Tu es en train déjà de donner une explication, ça veut dire si tu donnes un exemple, tu vas faire à quelqu'un et moi je vais donner un exemple en fait. Ça n'a pas de sens. Tu donnes un exemple à quelqu'un, pourquoi ? Parce que tu es en train de lui parler de quelque chose et que tu penses qu'il n'a pas tout à fait compris. Et donc tu vas lui donner un exemple. Et tu vas illustrer. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala est en train de nous dire, en fait Allah Subhanahu wa Ta'ala il nous parle constamment à travers le Coran et à travers les événements qu'on a dans nos vies. Et parfois on n'arrive pas à comprendre. Les événements qui se passent dans nos vies ne sont jamais dus au hasard. Il y avait un frère qui disait, qui avait cette expression que je trouvais belle en fait d'une certaine manière, qui quand on lui disait j'ai rencontré un tel par hasard, il disait ouais, par qadar. Il n'y a pas d'hasard, autrement dit, il n'y a que du qadar, il n'y a que du destin. Tu ne l'as pas rencontré par hasard, tu l'as rencontré parce que Dieu voulait que tu le rencontres. Bref, ça c'était la petite parenthèse, mais ce qui est important, c'est qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous parle dans chaque événement de nos vies. Et il nous dit en fait, mais des fois, on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on est dans une course. On court, et on n'arrive plus à se poser et on ne comprend pas ben, pourquoi j'ai eu tel événement, et pourquoi il s'est passé ça, et pourquoi je me suis embrouillé avec un tel, et pourquoi j'ai pas su patienter sur telle situation, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et en fait, il y a tellement de pourquoi qui s'accumulent qu'on finit par les oublier. Sauf qu'en ce matin, il nous amène petit à petit à travers la révélation à nous dire comment se comporter avec ça. Il nous dit la première des choses, c'est que déjà vous devriez avoir un rapport avec la création, ça éclairerait beaucoup de choses. Je vous disais l'histoire des arbres tout à l'heure. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que le fait d'être en lien avec ce dont vous venez, avec la source dont vous venez, le fait de prendre du temps avec cette création-là va vous éclairer. Donc arrêtez de courir. Parce que quand tu veux être en face de la création, un arbre ne va pas te parler, il ne va pas te faire un discours, il ne va pas te faire un dialogue. Il ne va pas te faire le commentaire des événements qui sont passés dans ta vie. Ce sont les cœurs qui communiquent. Et on va voir que petit à petit, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous amène en vérité à ça. D'ailleurs, dans deux versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa-ikhtilafi al-layli » Il y en a un où Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin « La ayatin liqawmin ya'qilun » Il y a des signes pour les gens qui raisonnent. Il nous dit en effet, il y a cette nécessité d'avoir un rapport à la création où par moment on va essayer d'étudier le fonctionnement des plantes, de comprendre comment elles fonctionnent, d'étudier le fonctionnement de la terre et en tirer des enseignements.
Et un autre verset, Allah SWT, il dit « Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wal nahari la ayatin li ulil albab » Et là, il nous parle de l'intelligence des cœurs. Et il nous dit « Il y a d'autres moments, non ?» D'ailleurs, dans ce verset-là, celui-là de l'Al-Baqarah et celui-là de l'Imran, dans celui-là, il y a toute une série d'invocations qui suivent derrière. Comme pour nous dire qu'en fait, ça éveille ton intelligence de cœur qui va te permettre de re-rentrer en communication avec Dieu. De comprendre, en fait, comment Dieu s'adresse à toi dans ta vie tous les jours. Et c'est ce qui va te permettre à toi de répondre à Dieu et de t'adresser à lui. Et la meilleure des manières de s'adresser à Dieu, ben, c'est de l'invoquer. Donc Dieu nous amène, en fait, à travers ces versets-là, à comprendre qu'en réalité, le rapport à la création nous apprend qu'on a besoin de Dieu. Ce n'est pas un rapport à la création qui nous apprend à maîtriser la création, comme je disais au départ. Parce qu'on peut le maîtriser de deux manières. C'est un rapport à la création qui nous apprend que Dieu maîtrise. Et que tout ce qui se passe dans nos vies a un sens. C'est-à-dire qu'au-delà du lien avec les autres êtres humains, au-delà du lien tribal ou du lien familial à préserver, au-delà du fonctionnement sain avec la création, au-delà de la cassure de l'individualisme, au-delà du rapport au matérialisme, au-delà de toutes ces questions-là, parce qu'on a là, il me dit, la création, est-ce qu'il va vous permettre de prendre conscience que vous avez un lien avec Dieu? C'est ce temps-là qui va vous permettre de rouvrir les portes du cœur. Parce qu'en vérité, ce qui permet de communiquer avec Dieu, c'est que le cœur retrouve sa son intelligence. À l'époque où on nous dit que l'intelligence n'est qu'une intelligence de raison, et qu'il n'y a que ça qui compte, la création nous dit, non, il y a une intelligence de cœur. C'est à travers la méditation, c'est en prenant ce temps-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, dans le verset qui suit, ce matin, il dit « Al-Ladhina yadhkurun Allah qiyaman wa qu'u'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Laqina adhab an-nar. » La conséquence de ça, ça leur rappelle Dieu. Et en ce matin, il insiste même. C'est le rappel de Dieu, comment? En prière? Non, allongé, debout, comme tu veux, c'est pas important. Là, la norme, elle n'a pas d'importance, c'est que ton cœur, il se réveille à ce moment-là. Rentre pas dans un calcul qui va te ramener vers la norme. La norme, elle a son importance à certains moments dans le Coran. Il y a d'autres moments, là, ce matin, il dit ton cœur, là, à ce moment-là, c'est ça qui est important. Tu as besoin de réveiller ton cœur. Et nous, encore plus à l'époque où finalement, on bétonne tout. Même notre cerveau. Même entre notre cerveau et notre cœur. Alors que tout est relié en nous, ben, on a réussi à tout couper en nous. C'est pas que dans la création, c'est pas que les routes qui séparent les gens. Et il médite. Fakara en langue arabe, ça veut dire méditer. Et fakara, c'est le contraire de quoi? De kafara. C'est le fait de méditer qui empêche les voiles de tomber sur notre cœur, qui empêche de voir les signes dans le soin interne, qui empêche finalement de comprendre le sens de notre quotidien. Et cette terre-là, je disais au départ qu'elle nous apprend aussi nos limites. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطَرَافِهَا. Ne voit-il pas que nous amenons la terre en diminuant de ses limites extérieures? Alors certains sont rentrés dans le truc scientifique de voir que la mer, ben ouais, elle frappait sur les rochers et qu'elle rongeait la terre, elle rongeait. Mais au-delà de ça, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend, c'est que ben, nous aussi, en tant qu'êtres humains, plus on grandit et plus on vieillit et plus nos limites, ben, elles diminuent. Alors c'est pas les limites du corps, même si physiquement, quand on arrive à l'âge de la vieillesse, le corps, ben, il s'affaisse aussi, mais au-delà de ça, c'est les capacités aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit... Soyez vigilants comme le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam enseigne. Cette vie, elle est courte, ça n'est qu'un passage éphémère. Qu'on fait de dunya ka'anna karadibuna wa abiri sabine. Sois dans ce monde-là, comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. Et on s'attache à ce monde-là, en fait. Dans toutes les approches, dans l'approche du savoir, dans l'approche professionnelle, dans l'approche familiale, dans l'approche matérialiste, dans toutes les approches, on a tendance à s'attacher à ce monde-là et à oublier qu'on a une mission. Qu'on a une dette à l'écart de Dieu, qui nous a tant offert, alors qu'on n'était rien, c'est-à-dire que sans parler même de ce qu'il nous a offert dans ce monde-là, on n'était rien, il nous donne la possibilité d'avoir un paradis éternel. Pourquoi? Parce qu'il est généreux, parce qu'il est miséricordieux. Mais c'est normal que celui qui, à un moment donné, est tellement ingrat, alors qu'il n'était rien, et qu'on lui donne la possibilité d'avoir le paradis éternel, et qu'il a juste... Vous savez, il y a cette histoire de cette femme à l'époque de Noé,
qui avait perdu son fils, alors qu'il avait, je ne sais plus combien d'années, 300 et quelques années. Et elle pleurait. Quelqu'un arrive vers elle et lui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Elle lui dit « Mais j'ai perdu mon fils, il avait quel âge ? 300 et quelques années. Il est mort si jeune. » Et l'homme le regarde, elle la regarde et lui dit « Mais tu sais que viendra une époque où les gens ne vivront pas plus de 70 ans ?» Elle lui dit « Mais par Dieu, si je vivais cette époque-là, mais je passerais ma vie en adoration. » On est dans cette époque et on ne passe pas notre vie en adoration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le propre de l'être humain, d'être constamment en lutte. Parce que Dieu a voulu qu'on soit en lutte, en fait. L'objectif, c'est pas d'être constamment en adoration. On peut vivre même 5 ans et ben, ce sera le même problème. Mais c'est surtout la conscience qui a un au-delà. C'est la conscience qui a un monde de l'invisible. C'est la conscience qui a un sens à ce monde-là. Et le rapport à la création, il nous apprend ça. Le fait que la création a ses propres limites. Le fait que la création tout se chamboule par moments. Le fait que ça se perturbe. C'est pour nous rappeler, c'est quoi l'objectif de tout ça? Le fait que la création elle-même lutte par moments pour arriver à trouver sa stabilité. Je ne sais plus à quel numéro j'en suis, mais bon, c'est pas grave. Je crois que je suis au 5e point, mais... parce que j'en ai rajouté au milieu, mais... L'autre enseignement donc important, éviter les chiffres, c'est bien, parce que les chiffres, ça nous enferme, vous allez dire. C'est que c'est la terre est le moyen de notre adoration. On se prosterne sur terre, on fait tayammum avec la terre. On se purifie avec l'eau, avec des éléments naturels. Vous savez, cette phrase de Ja'far Sadiq qui disait la prosternation, c'est le fait de s'abaisser devant Dieu. Et on ne peut pas le faire en utilisant des éléments qui sont transformés ou comestibles, ou des vêtements, ou des tissus, ou ce genre de choses. Car on est des esclaves de Dieu. On est des esclaves du fait de se nourrir et de se vêtir. Et en fait, au moment où on se prosterne, on se libère de cet esclavage-là. Pour aller vers celui dont on est réellement les esclaves. Et le seul qui en réalité nous libère. Il n'est donc pas convenable de se prosterner sur autre chose que la terre à partir de laquelle il nous a créés. Alors le problème c'est que ça a été transformé dans la tradition chiite après par la suite. Mais vous savez que dans la tradition chiite, beaucoup, Ahmad ibn Abdelaziz aussi, avait cette habitude-là de ne se prosterner que sur la terre. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a d'important dans cet enseignement-là? Ja'far Sadiq le résume bien. Il dit en réalité, le fait que tu poses ton front sur la terre, ça te rappelle qu'il n'y a qu'un Dieu. Et c'est censé te libérer de toutes les autres emprises. Et lui, il dit, me prosterner sur quelque chose que j'ai moi-même transformé ou que j'ai moi-même réalisé, non, je ne peux pas. Parce que je ne suis pas en train de me libérer totalement à ce moment-là. Je ne suis pas en train de dire qu'on va virer les tapis, qu'on va faire des trous par terre et qu'on va essayer de trouver la terre pour se prosterner tout à l'heure. C'est le sens de ce qu'il veut mettre en évidence. Et le sens de ce qu'il veut mettre en évidence là, à ce moment-là, c'est qu'il y a un sens à la prosternation. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on fasse des ablutions à partir de terre. C'est pas pour rien qu'on se purifie à partir de la terre, qu'on se purifie à partir de l'eau, qu'on retourne vers la terre pour pouvoir être au plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains mystiques disent la symbolique de l'Isra al-Mi'raj, quand Allah subhanahu wa ta'ala arrive au plus haut degré de la proximité avec Dieu, dans l'Isra, quand il est en train de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là qu'on lui révèle la prière. Et la symbolique du moment où on va être le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la prosternation. Là où il est le plus haut, c'est quand on est le plus bas. C'est qu'on arrive à cette démarche d'humilité. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend que... finalement, le rapport à la création, il nous apprend aussi cette démarche d'humilité. Que ça sert à rien de chercher à vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Que ce qui nous émancipe réellement, c'est quand on revient à ce qu'il y a de plus sain. On est dans un rapport au fonctionnement du monde où on veut toujours du progrès, toujours plus, toujours quelque chose de nouveau. Même dans la construction des mosquées, on veut des tapis plus nouveaux, on a trouvé la nouvelle matière, même des phénomènes de mode dans nos tenues vestimentaires. Il faut toujours qu'on invente un nouveau truc qui sera forcément meilleur parce qu'on l'a inventé et qu'il a dépassé l'ancien. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, revenez à la nature saine. Dans les versets tout à l'heure, je n'ai pas continué sur la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Latif, et j'en parlais hier dans la halaqa pour ceux qui étaient présents.
Al-Latif, il y a un frère qui nous disait Wal-Yatalattaf, c'est le mot qui est au milieu précis du Coran. Et Wal-Yatalattaf, sa signification pour les jeunes de la caverne, bah, c'est qu'ils soient vigilants, qu'ils soient attentifs. Mais en réalité, Wal-Yatalattaf, ce mot central dans le Coran, il veut dire prendre soin de bien préserver tout en ordre, avec douceur. Et dans le rapport à la création, en fait, en ce matin, il ne demande rien d'autre. Dans notre mission sur cette terre, le Khalif a fait ah, c'est quoi? C'est préserver l'harmonie de ce monde-là. Avec douceur. Sauf que ça passe par la conscience du fait qu'on est responsable constamment. Alors, ce matin, il nous rappelle dans la création, il nous rappelle que la création, elle appartient à Dieu. Il nous rappelle qu'il nous a mis comme responsables sur cette terre. Et il nous donne les moyens d'assumer cette responsabilité sur terre. En nous rappelant, d'une part, qu'on assume cette responsabilité en revenant à sa nature originelle. Les hypocrites, ceux qui n'ont pas compris le sens du message. Lorsqu'on leur dit ne pervertissez pas le rapport à la terre et le rapport à la création, ils disent non, nous sommes parmi ceux qui l'assainissent. Non, c'est pas vrai, vous l'assainissez pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous pervertissez le rapport à la terre en ayant un fonctionnement complètement déséquilibré qu'après en venant avec des médicaments ou des produits pesticidaires, le rapport à la santé c'est exactement la même chose. La médecine moderne c'est quoi? C'est consomme n'importe quoi, consomme de manière complètement déséquilibrée puis après on va soigner avec des médicaments. Dans les traditions plus anciennes comme dans la médecine chinoise, c'est un rapport totalement inversé. Soigne ton mode de vie, ne soigne pas le symptôme final. Et par là, ce matin, il dit c'est la même chose dans le rapport à la création et c'est la même chose dans ton rapport à toi. T'es malade, t'arrives pas, soigne ton mode de vie. Va pas voir un psy derrière qui va te t'arnaquer à coup de... Ouais, j'exagère, il y a des psys qui essaient de faire du bon boulot et malheureusement, on vit une époque où... Il y en a aussi besoin, mais malheureusement, c'est pas normal qu'on en ait besoin. On devrait avoir de l'écoute naturelle dans le quotidien. La deuxième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui pervertit ce rapport à la création, il dit Alladhina yanqudouna ahd Allah. Tous ces versets-là, c'est dans les premiers versets de Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne finalement comment nous comporter, le sens même du message de manière simple. Alladhina yanqudouna ahd Allah min ba'di mithaqihi. Ce matin, il nous dit ceux qui rompent le pacte avec Dieu et qui rompent en fait les liens avec la création, ce sont eux qui pervertissent la terre et qui sont qui pourrissent eux-mêmes parce qu'en fait, finalement. Un fruit, quand on le détache de son arbre, bah finalement, petit à petit, il va finir par pourrir. Et bien, de la même manière, l'être humain, quand on le coupe des liens humains, quand on le coupe des liens avec la création, bah, il finit lui-même par pourrir. Quand il est dans cette course en avant, où il prend plus le temps d'être en relation avec les gens, d'être en relation avec la société, de discuter, d'échanger, de confronter ses idées, l'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa laoula dafrullahi nasi ba'dahum bi ba'd fasadatil ardh » Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas levé certains hommes contre d'autres, parce que ce lien il se fait aussi dans la friction et dans l'affrontement, la terre aurait été perverse. Le principal c'est le lien, c'est pas un lien gentil tout le temps et on fait plein de sourires et on dit oui à tout. Non, c'est le lien parce que justement c'est pour préserver la création, il faut avoir une démarche de conscience et de responsabilité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'une des choses qui fait qu'on va se perdre dans ce rapport à la création, c'est quand on va être obnubilé par la création et qu'on sera plus attentif. Au fait qu'elle est un moyen de notre conscience. Qu'elle est le moyen de nous rappeler du sens de notre mission. Banu Israël, ils sont sauvés par Moussa. Ils arrivent en Palestine. Ils ont été sauvés de la tyrannie. Allah subhanahu wa ta'ala fait jaillir 12 sources d'eau. Qu'est-ce qu'ils demandent? Non, on veut plus. « Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrijana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithfiha wa fumiha wa basaliha » Et ils demandent plein d'autres aliments, des oignons, des ceci, des cela. Non, on ne peut pas présenter sur une seule nourriture. Si l'être humain avait une vallée pleine d'or, il en voudrait une deuxième. Et s'il en avait une deuxième, il en voudrait une troisième.
on croit que le bonheur est dans la quantité, dans le fait d'acheter toujours quelque chose de nouveau, toujours un nouveau produit, toujours un truc tout neuf. Et malheureusement, on fait tomber même nos enfants là-dedans, et malheureusement, on leur reproche alors qu'ils ne font que copier notre mode de vie. Et il nous dit qu'en fait, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. La raison qui a fait qu'ils ont voulu plus, c'est qu'ils volaient les signes de Dieu. C'est-à-dire que dans le mode de vie qu'on a aujourd'hui, où on ne prend pas le temps d'échanger, de discuter, où on ne prend pas le temps de confronter nos opinions, où on ne prend pas le temps d'avoir un rapport à la création, de se poser, où on ne prend pas le temps d'arrêter de « je ne vais pas travailler », où on ne prend pas le temps de donner l'autorisation à nos enfants, non, il n'y a pas que l'école et ton diplôme qui compte, j'ai besoin de me reposer, de prendre un temps avec le Coran, ou de prendre un temps à méditer quelque chose. Où on ne prend pas le temps de couper la télé et être noyé d'informations, on ne sait plus quoi faire, on veut prendre des positions sur tout, même sur ce qui ne nous concerne pas. Mais on ne fait que voiler les signes qu'Allah SWT nous offre dans notre quotidien. Et il fait, bah, c'est normal, tu voudras toujours plus. Ça ne sert à rien de s'incriminer et d'incriminer nos enfants sur le fait qu'ils veulent toujours plus. C'est notre mode de vie qui induit le fait qu'on veuille toujours plus. Il faut revenir à la source d'un mode de vie sain pour arrêter de vouloir toujours plus. Alors ce matin, il me dit, c'est simple en réalité. Regardez la source et regardez la création. Et ça, ça passe par des efforts. Ça dépasse par des efforts, ce qui nous rapproche, je l'ai dit tout à l'heure, de la source naturelle et du fonctionnement naturel. L'islah, c'est revenir à la nature saine des choses. Il oppose le façade à l'islah. L'islah, c'est revenir à la nature saine. Revenir à des choses simples. Rappelez comment ils vivaient nos grands-parents. Comment le prophète alayhi salam il vivait. Alors oui, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Oui, il y a des choses, mais l'objectif, c'est de lutter dans ce sens-là, pas de lutter dans constamment un progrès, et toujours cette course en avant, et toujours plus, et toujours mieux, et toujours... Mieux, c'est plus sain. Mieux, c'est ce qui nous relie au signe d'avancement interne parmi les êtres humains, parmi la création. Et le sain, forcément, il induit quoi? Ça ouvre les portes de la reconnaissance. Ça te permet enfin d'être reconnaissant, de comprendre. Oh, les êtres humains, on vous a fait qu'un peuple et a trouvé cette diversité-là. Quand tu vois tous ces signes, c'est pourquoi l'objectif. Ta'aruf en langue arabe, c'est quoi? C'est pas le fait que vous vous entreconnaissiez, comme on le traduit souvent. C'est que vous vous reconnaissiez parce que vous vous connaissez déjà. La racine arafa induit le fait que vous vous connaissez déjà. Pourquoi? Parce qu'on a tous un point commun. On a tous un roi en nous. Alors ce matin, il dit, si vous avez ce fonctionnement sain, vous allez revenir vers ce qui vous relie à Dieu, et vous allez revenir vers ce qui vous relie. Et vous allez même revenir vers ce qui vous oppose de manière saine. Pas le qui vous oppose par égoïsme, ou par ostentation, ou par volonté de nuire, ou par perversion, ou pas. Parce que malheureusement, on s'oppose aussi à notre époque. Mais on s'oppose parce qu'on veut prendre, amasser des capitaux, parce qu'on veut installer une tyrannie, parce qu'on veut prendre le pouvoir. On ne s'oppose pas. Comme le prophète alayhi salam, a pu s'opposer. Pour revenir à un fonctionnement simple. Et souvent on parle des conquêtes, etc. Et on oublie que les conquêtes, le prophète, je prends souvent cet exemple de l'Égypte, subhanallah, il a fallu attendre 3 siècles, et pendant 3 siècles, pourtant les musulmans sont rentrés en Égypte, ils se sont installés, ils ont construit des mosquées. Pendant 3 siècles, la majorité de la population n'était pas musulmane. 3 siècles entiers. Ils ne sont pas rentrés pour convertir les gens, ils sont rentrés pour les libérer d'une emprise et d'une tyrannie, pour que chacun redevienne libre de son choix. Pour préserver une diversité. Et le moyen, c'est aussi d'apprendre à se limiter. Parce que malgré tout, ce n'est pas qu'en observant. Le mois de Ramadan, c'est le mois du jeûne. L'exemple que je donnais de Banu Israël tout à l'heure, dans le verset que j'ai cité, c'est pareil. Il n'y a pas, à un moment donné, on ne peut pas cheminer en disant « mais je suis désintéressé de ce monde », mais en continuant constamment à courir après. C'est pas vrai, tu n'es pas désintéressé. Si tu es désintéressé, Ramadan ce matin, lui-même nous l'apprend. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de jeûner? On pourrait être désintéressé sans jeûner. Non, parce que tu as besoin de te couper à un moment donné. Pourquoi est-ce que le prophète me faisait l'étiquette, même carrément, il se coupait tout pendant 10 jours? Parce qu'il y a des moments où tu es obligé de te couper pour revenir de manière plus saine. Il y a des moments de coupure. Dans le rapport au temps, on a besoin de coupure, de rupture, et dans le rapport au bien aussi, on a besoin de couper par moment certaines choses. Non, je ne suis pas asservi à mon téléphone. Bah vas-y, laisse-le pendant quelques jours, on va voir.
Non, je ne suis pas assez relié à ma voiture. Bah, laisse-la pendant quelques jours et on va voir. Et là, on se rend compte qu'en vérité, non, on a un vrai problème. Tous autant qu'on est. Hein. On a tous dans quelque chose, dans une chose ou dans une autre. Non, on a un peu asservi quand même. Et puis même des fois, on se rend compte que... Oh, oh, oh. C'est pas que je suis un peu asservi, c'est que je suis beaucoup asservi. Mais on est tous pareils. L'objectif, c'est pas d'être parfait et d'être saint. Si vous étiez un peuple qui ne fait pas de péché, en ce matin, on ferait venir un qui fait des péchés et qui demande pardon et Dieu leur pardonnerait. L'objectif, c'est pas la perfection. L'objectif, c'est la conscience du bon chemin. C'est la conscience de la voie. J'ai presque fini. Et surtout, je vais finir sur ce point-là. Et puis après, si j'ai quelques minutes, je peux faire le passage de Pierre. 5 minutes. Bon, je vais essayer de le faire en résumé après le passage de Pierre. Mais surtout, rappeler une chose importante, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce rapport à la création. Et à la terre, et aux arbres, et à la végétation, et à l'eau, qui nous offre des symboliques particulières. Je ne suis pas rentré en détail en matière sur la symbolique de chacune des choses dans le Coran et dans la Révélation. Ça demande beaucoup plus de temps, mais il y a une symbolique forte qui revient. Mais la plus forte des symboliques, en réalité, c'est le fait qu'on va tous retourner vers la terre. En ce matin, quand on meurt, on retourne vers la terre. Et quand on va mourir, ben, on va être enterré où ? Sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en fait, on vient de la terre, on vit sur terre, on prie sur terre, on se nourrit de la terre. On se souvient de la grandeur du Créateur par la terre. On se souvient de nos limites grâce à la terre. Et on retourne à la terre. Et en fait, tout ça c'est voulu par Dieu. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes en réalité on vit dans une forme de cycle. Dans ce monde qui croit toujours inventer quelque chose de nouveau en fait, ce sont que sunnat Allah et film Allah. Il y a une thématique qui est très importante dans le Coran, c'est la tradition des civilisations. Il y a des thèmes qui reviennent dans chaque civilisation. Alors ce matin, elle nous apprend comment même les êtres humains vivent. On croit qu'on est la civilisation la plus ingénieuse, qui a le mieux compris, qui a le... C'est que certaines études scientifiques ont démontré qu'à l'époque de Pharaon, ce tyran, il parvenait, déjà les pyramides, mais au-delà des pyramides, il parvenait à opérer le cerveau, dans le cerveau humain. C'est que c'est quand même... Alors oui, il y a des choses nouvelles, oui, il y a des choses pas spécifiques à notre époque, oui, il y a des choses même belles et bénéfiques à notre époque, oui, il y a des moyens particuliers que Dieu nous donne à notre époque, mais il y a beaucoup de perversion et beaucoup de déviance. À travers, je vais laisser Yamin, parce qu'il fera le rapport à la création, et je pense qu'il met... Il mentionnera de manière schématique en fait toutes ces problématiques que sont le rapport au matérialisme, le rapport à l'individualisme, le rapport à toutes ces, le rapport à la raison qui nous empêche même de retrouver la centralité du sens de tout ça, qui est Dieu, parce que c'est Dieu qui est au centre de tout ça. Alors en quelques secondes, parce que je ne dis pas beaucoup de temps, simplement il y a un passage dans le Coran, parce que la thématique d'aujourd'hui c'est le rapport à la permaculture, j'aurais peut-être dû commencer par ça en fait. Mais il y a un passage, un là qui est assez beau par rapport à la question de la permaculture. C'est des versets où Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle dans Surat al-Kahf de ces deux hommes de Jordan. Et puis il nous dit qu'il al jannatayni atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Il nous dit qu'il y avait un homme qui avait deux jardins, mais que chaque jardin donnait à sa juste mesure. Donc chaque jardin s'autosuffisait en fait. Ils sont deux hommes, il y en a un qui a deux jardins. C'est comme pour nous dire en réalité il y a suffisamment d'alimentation pour tout le monde sur Terre, si on savait partager. Sauf que le premier ne va pas comprendre. Et le deuxième va très bien comprendre. Mais il nous dit autre chose, il nous dit « Walam tadhlim minhu shay'a » C'est-à-dire qu'elle se suffisait en réalité à elle-même. « Wa fajjarna khilalahuma nahara » Et alors il va introduire cette idée de la permaculture qu'on a si souvent. Entre les deux, on a fait passer une source d'eau. Cette source d'eau, rappelez-vous la symbolique de la foi. L'eau est la symbolique de la foi. Et en fait, c'est la foi qui aurait permis de les relier, ces deux jardins, et qui aurait permis de relier ces deux hommes. Et en fait, c'est dans le partage que même le sens de la permaculture. C'est dans le fait que cette permaculture-là, elle permette de rappeler Dieu qu'elle aura un sens. C'est pas dans le fait de préserver la création. Parce qu'en ce matin, il nous dit dans la suite, au sujet de la création, s'il arrive à passer,
c'est pas grave. كل سجنتين آتت كلها ولم تغنمي شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاضره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي نو اسكوزي مو جي تي مش ترومبي دارسا انا جي بان مو صاحب سي سرا بلو سام كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاضرها كفرت انا اكثر منك مالا واعز نفرا. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit. En fait, c'est le verset d'avant que je voulais mentionner. Excusez-moi, je suis parti trop. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا وَضْرِبْ لَهُمْ excusez-moi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Alors ce matin, il nous dit « et donne-leur l'exemple ». Il nous parlait en amont des relations « wasbir nafsaka », des relations entre les êtres humains, avec ces gens, patientes avec les gens qui sont dans la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit « donne-leur l'exemple de ces deux hommes ». Et ces deux hommes, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ?« Jahanna li ahadihima jannatayn min a'nab ». On lui a donné deux jardins de raisins. Et les raisins, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. « Wa hafafnahuma binakhlin » et on les a entourés de palmiers. وجعلنا بينهما زرعا et au milieu on a mis de comment on dit زرعا non des cultures mais de il y a pas un mot j'ai cherché un autre mot mais bon c'est pas très grave non des cultures de plantation de céréales par exemple et en fait Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que dans le même jardin il faut préserver une diversité qu'il y a besoin de préserver autour et qu'au milieu il faut une diversité et que ce qui va être fondamental dans le verset d'après tout ce que je vous disais, ça va être la source d'eau. Et en fait il nous apprend dans ce fonctionnement de l'agriculture sain, aujourd'hui on découvre ou on redécouvre à travers la permaculture, hein, le fait de préserver un équilibre entre les différentes semences, entre le fait de préserver et de mettre des arbres autour, le fait de mettre mettre des plantations de différentes sortes, de différentes formes et de différentes sortes parce que l'une préserve l'autre. Que ce n'est pas des grands champs uniformes qui permettent de préserver et après de mettre des grands coups de semences. Il nous dit que c'est la même chose pour l'être humain. C'est le fait de vivre ensemble dans la diversité avec la source d'eau, la source de la foi au milieu. Le prophète Hassan Fassil arrive à Médine, il fait la mosquée au centre de la ville. Il fait le pacte de fraternité entre les croyants. Et il dit ça, vous l'aurez compris, que si votre permaculture ou votre approche de l'agriculture vous permet d'être dans le lien et dans le partage qui met Dieu au centre de toute chose, ni votre jardin, ni l'observation que vous en faites, ni vous en tant qu'être humain. Parce que le premier, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'enorgueillir. Et il va même, certains disent que c'était même un croyant. ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Ils font même de faux espoirs. On parle souvent de la miséricorde de Dieu en disant ah, mais de toute façon Dieu il est pardonneur. Attends, t'es en train de pervertir la terre, pervertir les relations avec les gens, tu veux asservir, tu étais un tyran et tu parles de la miséricorde de Dieu. C'est l'exemple de cet homme-là. Dans ton quotidien, tu fais tout à l'envers. Et quand on te parle de Dieu, tu devrais commencer la prière, tu devrais quand même essayer d'améliorer ton comportement. Ouais, mais Dieu est miséricordieux, j'ai le temps. T'as le temps de quoi? Dans ce matin, avec cette histoire, il me dit... Et l'autre, regardez dans son approche. قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Alors que le premier ne fait que parler de lui, le deuxième, il ne parle pas de lui, il va lui parler à l'autre. Ce qui le préoccupe, ce n'est pas son sort à lui qui est pauvre et qui n'a rien à manger. C'est l'autre, tu es en train de te perdre, tu ne vois pas les signes de Dieu. Il n'a rien à faire d'avoir un jardin plus grand ou pas plus grand, ou de pouvoir récupérer le deuxième jardin. Ce qui le préoccupe alors qu'il est pauvre, c'est le souci de l'autre. Et ce qui le préoccupe le plus dans le souci de l'autre, c'est son rapport à Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il cultive mal ou qu'il utilise des pesticides ou qu'il... Non, c'est son rapport à Dieu, c'est qu'il n'est pas conscience du sens de ce monde-là. Alors, comme j'ai dépassé le temps, je vais m'arrêter là, mais
dans cette histoire-là, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, c'est que le rapport saint à la création, dans sa diversité, dans son équilibre, dans le fait qu'on a besoin de toutes les formes, on avait besoin d'un Omar ibn Khattab, d'un Abu Bakr, d'un Uthman ibn Affan et d'un Ali, et d'un Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était quelqu'un de très réservé, quelqu'un de plutôt timide, qui aimait presque même l'isolement et la solitude. Il y avait des compagnons, c'était des... ils passaient leur temps à rigoler. Chacun il a sa manière d'être et chacun il apporte quelque chose et il crée cet équilibre-là. Certains là sont pour protéger. Certains sont là pour donner du sens. Certains sont là pour relier. Mais ce qui va être fondamental, c'est est-ce qu'il y a la source d'eau et est-ce que ça permet de partager. Et là, de partager en plus, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est que finalement, c'est même pas que entre nous. C'est pas on va monter une petite, un petit village, on va s'installer entre musulmans et on va trouver un mode de vie sain, non. C'est de sortir, les musulmans sont sortis, et ce jardin, il aurait pu donner des palmeraies et des palmeraies, et des jardins, s'ils avaient compris. Alors ce matin, il nous dit, nous, la même chose, si on retrouve ce fonctionnement sain, on pourra se dire qu'on a un fonctionnement sain, que si vraiment on arrive à nouveau à rayonner sur le monde, comme le prédécesseur, on réussit à rayonner sur le monde. Et si on n'y arrive pas, c'est pas le plus important, c'est est-ce qu'on a cette volonté, cet effort de réassainir notre mode de vie, de nous relier à nouveau, entre nous, avec la création, dans l'effort, dans la friction, dans la difficulté, pour ramener Dieu au centre de toute chose, pour rappeler le monde de l'invisible, et pour rayonner sur ce monde, pour que les gens prennent conscience que la seule sécurité, ce ne sont ni les moyens financiers, ni les diplômes, ni le titre, ni le contrat de travail. La seule sécurité, c'est la foi en Dieu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui a la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accordera une issue. Il lui accordera des bienfaits par là où il ne les attend même pas. Et celui qui a confiance en Dieu, cela lui suffit. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui ont la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui se réunissent en lui, qui entretiennent un rapport sain à la création et à la terre, qui retourneront à la terre avec un repentir sincère et dont les péchés seront complètement effacés, et qui trouveront la proximité auprès de lui et auprès du prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'on est plus au jardin du paradis. Excusez-moi si j'ai passé un peu. Des questions. Ouais, questions, remarques, contributions, interventions complémentaires. Il y a micro, c'est tout bon. Moi je ne suis pas musulman ni croyant et j'ai eu donc une rencontre avec des gens qui sont musulmans en Algérie, donc j'ai vu leur pratique, les ablutions avec l'eau, et moi je ne suis pas croyant, je ne suis pas rentré dans tout ce qui est prière, mais ça m'a permis après dans ma vie de voir qu'ils utilisaient peu d'eau pour faire les ablutions, les minimums d'eau, et donc à partir de là j'ai aussi c'était avant, mais ça a permis de concrétiser, aller dans un sens d'utiliser peu de choses, de faire des choses à l'économie, et peut-être petit à petit d'arriver même à s'en passer, de passer de certaines choses, comme de la voiture, comme ça les remplacer par d'autres choses. Et en effet, c'est un partage, parce qu'après, ces choses-là, je ne peux pas les garder pour moi, c'est un échange, parce que je me dis, c'est bien de voir chacun dans sa vie, où on en est dans sa vie, et comment nous, dans notre vie personnelle, qui est propre à chacun, on peut aller dans ce sens-là, et dans ce sens-là, du peu de choses. En effet, bon, ben, si un jour je prends Dieu, je pourrais dire que c'est aller vers Dieu, c'est un chemin vers Dieu en tout cas, c'est un chemin vers la création, se rapprocher de la création. Il y a un texte du prophète qui va dans ce sens-là, même si son authenticité n'est pas avérée, mais qui disait même si vous faites vos ablutions auprès d'une rivière ou d'un fleuve, prenez soin de ne pas gaspiller. On pourrait se dire dans une rivière, ouais, ça n'a pas de sens de ne pas gaspiller, mais c'est l'état d'esprit. Ce qui compte et qui va être fondamental, c'est l'état d'esprit. En réalité, ce n'est même pas d'y arriver ou de ne pas y arriver, c'est vraiment dans quelle disposition d'esprit est-ce qu'on se met. C'est-à-dire que même quand on l'a, et on a des rivières qui coulent aujourd'hui dans nos robinets, etc.,
on pourrait se dire, bon, ça va couler le coup, là. Non, c'est l'état d'esprit, en fait. C'est savoir, c'est cette approche de la modération, de savoir se satisfaire. Le moi du jeune, c'est aussi cette école de comprendre qu'en fait, s'il n'y a pas un équilibre entre le monde visible et le monde de l'invisible, on finit par se perdre à un moment donné. C'est-à-dire qu'en voulant constamment toujours plus dans cette société, en étant toujours dans le fait de rechercher quelque chose de supplémentaire, s'alimentant, surconsommant, ben finalement on laisse peu de place au monde de l'invisible. Et après c'est le même problème pour ceux qui sont constamment dans le rapport au monde de l'invisible, qui sont tout le temps isolés dans leur montagne en train de faire du dick ou machin, etc. Et qui n'ont pas d'emprise sur ce monde-là, mais ils se perdent aussi parce que finalement ils n'assument plus leur mission. Des personnes qui sont censées porter la lumière de Dieu sur cette terre. Et c'est tout le message du prophète, c'est cet équilibre entre les mondes. Et ça, c'est vraiment important. Et le rappel était important et pertinent, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de la modération et de la lutte contre le gaspillage. On se rappelle, les Inel Mobad Gari, Nakal Mirkwan et Shayatin, ceux qui gaspillent sont les frères du diable. Allah Ta'ala, il dit, il a créé Adam de terre, et après il a insufflé en lui de son esprit, si on peut traduire ça comme ça en français. Oui, je disais simplement, Allah, il a créé Adam de terre, il a insufflé en lui de son esprit. J'aurais bien aimé que tu développes un tout petit peu, c'est le ruh dans cette partie-là, dans cette terre, quelle est l'intervention, comment tu peux nous expliquer un peu ça. Jazakallah. Tu poses une question qui est compliquée, parce que même le prophète, quand on lui a posé la question, vous connaissez cette histoire hein, où les gens de Quraysh ont été voir les juifs de Médine en leur disant « Donnez-nous des conseils pour qu'on puisse vérifier si c'est vraiment un prophète. » Et le prophète, et les juifs de Médine ont dit « Pose-lui trois questions. » Et une des questions, c'était « Dis-leur de interroger-le au sujet de Ruh. » Que je ne traduis pas volontairement, mais je vais dire pourquoi après je le traduis pas. Et quand le prophète va accueillir ces personnes et qu'ils vont lui poser ces questions, il va leur dire « Demain, je vous donnerai la réponse. » Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il montre que Dieu, ça n'est pas le prophète. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce statut différent. Le prophète, cet homme extraordinaire, quand on connaît sa vie, il n'était pas Dieu. Et le lendemain, il n'a pas de réponse. Le surlendemain, pas de réponse. Alors, certains disent 20 jours, 25 jours, etc. Et le prophète, était mal même par rapport à ça. Il ne savait pas comment se comporter, quoi. Il pensait que Dieu l'avait abandonné, même presque à un moment donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite, il va dire Wala taqulanna li shay'in illa an yasha Allah. Ne dis pas je vais faire ça demain sans dire si Dieu veut. C'est-à-dire cette démarche de la modestie dans toute chose, même quand tu as la capacité, même tu es un prophète, même tu es un roi, même tu as la révélation, c'est pas juste un pouvoir et un empire. Rappelle-toi que tu peux parce que Dieu est dans ta vie. Et donc, sur la réponse de Ruh, il dit « Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalil. » Et puis, interroge au sujet de Ruh, il dit « Ruh est une affaire de Dieu et vous n'en avez que peu de connaissances. » Après, ce qu'on peut en dire, c'est les conséquences de Ruh. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, dans le verset que tu as cité, « Fa'idha sawwaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi, faqahu lahu sajidin. » Et lorsque je l'ai façonné, en ce matin il dit que je l'ai façonné donc à partir de terre, il a façonné l'être humain, et que j'ai insufflé de mon ruh, c'est-à-dire que le divin a insufflé de son ruh, on ne traduit pas, on ne sait pas ce que c'est qu'un ruh en fait. C'est ce qui fait la spécificité de l'être humain par rapport à toutes les autres créations, c'est qu'on a ça, donc ce ruh qu'Allah a mis en nous. Cette chose-là est tellement puissante. C'est ça qui nous relie d'ailleurs entre tout être humain. Tout être humain, croyant, pas croyant, on l'a tous. Ça nous relie tous. Et cette chose est tellement puissante qu'elle nous relie au divin que même les anges ont dû se prosterner devant nous à ce moment-là. Souvent on dit c'est parce qu'il est doué de raison, parce qu'il a appris les noms, parce que ceci. Mais le verset nous donne la réponse claire. Donc ils se sont prosternés devant lui. C'est même les anges à ce moment-là, c'était évident, c'était un ordre, mais évident. C'est-à-dire que finalement, ce ruh-là, certes, on a été créé de terre, mais ce qui fait, ce qui va nous élever, ce qui va nous ennoblir, ce qui va nous rendre meilleurs, c'est la prise de conscience
que certes on est de terre, et certes on est relié à la terre, et certes on a tous été façonnés à partir de terre, et certes on a une responsabilité sur cette terre, mais qu'il y a un monde invisible au-delà de ça, et qu'on est tous reliés aussi à un monde invisible, et que ça c'est encore plus fort parce que les animaux sont reliés à la terre, les végétaux sont reliés à la terre, la création entière est reliée à Dieu. Mais elle ne peut pas être reliée par conscience. Par le fait du Ruh, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette capacité à être relié à Dieu en conscience. Par cette chose qu'on ne peut pas maîtriser. Ce qui est la source de notre conscience, ça n'est pas notre raison. Notre raison, c'est ce qui permet de définir les limites, de cadrer nos vies, d'organiser nos vies. Ce qui permet de donner du sens, c'est cette conscience-là. Et ça, chaque être humain. Alors après, certains l'utilisent en reconnaissant Dieu, d'autres non, d'autres la voilent complètement, ils ne veulent même plus y faire référence. Mais on l'a tous. On l'a tous et c'est ce qui fait qu'on a cette conscience-là qui nous relie à Dieu. Excusez-moi, je ne suis pas si... Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Moi, en fait, c'est juste pour donner demander quelques précisions. Par exemple, vous parlez de prise de conscience. Par exemple, dans un village, on prend conscience, on fait la permaculture, on ne regarde pas la télé. On essaye d'impliquer cet esprit de vie saine à nos enfants. Mais par contre, quand on regarde à côté, nos enfants, quand ils vont à l'école et qu'ils parlent de ça, la maison n'a pas de télé, à la maison, nous, on mange sain, on mange bio, ils sont tout de suite regardés de travers. Et quand il vient te dire, mais maman, on a dit ça. Donc, la manière dont moi, j'arrive à expliquer pourquoi nous, on est comme ça, et pourquoi on mange ci, on mange pas ça. Mais quand ils vont à l'école, en quelque sorte, ils sont vraiment écartés de cette société où on est. Donc, pour avoir un équilibre entre la société où on vit et la société dans laquelle tu es, et comment tu élèves tes enfants, pour moi, c'est un peu dur pour nous. C'est vrai, en fait, il y a deux niveaux de réponse en moi, si je peux me permettre. C'est que le premier, il y a un vrai problème, c'est vrai, avec le système scolaire moderne, qui est une conception de l'instruction qui est, à mon sens, beaucoup pervertie. On instruit les gens pour qu'ils aient un diplôme, pour qu'ils trouvent un travail, pour qu'ils aient un salaire. On n'instruit plus les gens pour qu'ils aient une conscience, qu'ils comprennent le monde, Et ça, on a perverti le rapport au savoir, et je pense que la première des choses qu'il faut corriger. Parce que Iqra, cet ordre que Dieu nous donne, c'est-à-dire que le Créateur, la première des choses par laquelle il s'adresse à nous, c'est par un ordre qui va nous libérer. Et aujourd'hui, finalement, dans l'instruction, on a une forme d'asservissement, on apprend des choses sans tenir compte des facultés de l'enfant, sans tenir compte de tout ça. Donc il y a un vrai problème à l'instruction, ça c'est évident. Mais parallèlement à ça, il ne faut jamais oublier que de toute façon, comme disait le prophète, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'islam est né étranger et redeviendra étranger. Tout va, c'est-à-dire que bon accueil aux étrangers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, ce qu'il nous apprend, c'est qu'en fait, la tradition des gens qui sont dans la conscience, c'est toujours d'être un peu en marge aussi. La majorité des gens, ils sont pris par ce monde-là, parce que c'est difficile d'être... Et nous aussi, on l'est tous un peu à une certaine manière, mais c'est vrai que peut-être quand on est en lutte, un peu moins, dans des proportions différentes. Et en fait, ce qu'il y a d'important, c'est que, j'allais dire, c'est une bonne chose même, que ce soit à l'école ou ailleurs, qu'on ne vive pas dans un enclos où nous on a compris, et puis les autres, ils sont à la masse. Non, cette confrontation qu'ont les enfants, où ils vont venir, ils vont « Ouais, mais pourquoi moi je peux pas avoir la télé, pourquoi je vais pas avoir ça ?» Ça apprend la culture de l'effort. Parce que la conscience, en réalité, l'waqaya dans la langue arabe, la taqwa, ce terme qui revient si souvent dans le Coran, c'est la capacité à s'imposer une certaine discipline de vie qui donne du sens à sa vie. Donc c'est avoir une certaine vigilance, une certaine exigence, mais qui permet toujours d'entretenir du sens, qui permet d'entretenir la conscience, mais savoir s'imposer des choses. Et en fait, si on vit que dans un enclos entre nous, on perd la culture de l'effort par moment. Alors vous allez me dire, on est obligé de faire des efforts pour planter nos graines, pour s'occuper de sa maison. Mais dans la confrontation des idées, dans la confrontation de la diversité des opinions, etc., c'est là où on va faire l'effort de la conscience. Parce que l'effort matériel ne suffit pas, il faut aussi l'effort de la conscience. Et Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des différences d'opinions, qu'il y ait des différences de points de vue, qu'il y ait des différences d'approches qui permettent d'entretenir ça. Donc vous allez me dire, c'est presque un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait,
quand nos enfants ils vont à l'école ou ailleurs, ils vont être confrontés à d'autres opinions, ça leur permet de comprendre pourquoi. Et même de travailler eux-mêmes le sens de cette chose. Ils ne le font pas de manière mécanique. Et donc il y a un bien. Petit à petit, finalement, ils comprennent le sens des choses. Et ils vont lutter, et peut-être parfois non, ils vont pas accepter, ils vont peut-être tomber. Et ils vont tomber dedans, et c'est pas grave. C'est pas grave qu'ils surconsomment, c'est pas grave qu'ils mangent des produits avec pesticides. Tant que petit à petit, ils arrivent à être dans la lutte eux-mêmes, et prendre conscience eux-mêmes de choisir un mode de vie. Parce que finalement, les parents ne seront pas toujours présents. Et le moule n'est pas si important. L'important, c'est que finalement, ils développent cette conscience-là dans l'effort eux-mêmes, et qu'ils arrivent à faire ces choix eux-mêmes. Parce qu'arrivés à l'adolescence, normalement, ils sont capables de faire leurs choix. Il faut que ce soit des choix qu'ils portent eux. Et ils les porteront peut-être complètement différemment de nous. Peut-être qu'on a choisi nous un chemin et qu'ils vont passer par un autre chemin pour arriver à cet endroit. Bon, plus une chemin. Vous avez été comme chemin.